Essayez d'avoir une compréhension intuitive du théorème de Rolle et de sa preuve. Ce théorème dit que si je prends une fonction f dérivable sur un segment AB, et si f de A est égal à f de B, alors il existe un point C entre A et B, où la dérivée f' de C s'annule. Essayons de comprendre l'intuition derrière ce théorème, à l'aide d'une représentation graphique. Dire que f de A est égal à f de B, c'est dire que la courbe f va avoir... Les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas dotées de super pouvoirs. Philippe ! Je sais où tu te caches ! Philippe ! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Viens ici, sale enculé! Et enfin, il y a le dernier cas où à la fois X-min et X-max sont sur les bords. Et dans ce cas, on peut en déduire que f est constante et que du coup, sa dérivée est en fait nulle partout. Et du coup, on a trois cas différents. Mais dans tous les cas, on a un endroit à l'intérieur de l'intervalle AB où la dérivée est nulle. Dans tous les cas, le théorème est vrai. Du coup, le théorème est vrai. C'est QFD !